Alors on est à la ferme de la Papetière, en bordure du Marais Poitevin, en limite, plaine et marais du sud Vendée à Luçon. On a vendu la charrue en 96, donc on va fêter les 20 ans de vente de la charrue quand vous viendrez. Et on a fait du TCS pendant 10 ans et ça fait 10 ans qu'on est en agriculture de conservation des sols avec ce système de semi-direct sous couvert. Sur l'exploitation, donc on fait une comparaison avec le centre de gestion entre des exploitations du même type, c'est-à-dire plaine irrigant du sud Vendée. Et que ce qu'on constate, c'est que souvent on fait un petit peu moins de rendement en culture de printemps, notamment en maïs, mais par contre en culture d'hiver, aujourd'hui on est revenu largement à la hauteur de la moyenne. Mais surtout, c'est qu'on a des coûts de production autour de 100 à 150 euros de moins de charges opérationnelles à l'hectare. Et en charge de structure, on est autour de 200 euros de moins en moyenne pour des exploitations qui ont en moyenne autour de 1000 euros, 1050 euros de charges de structure hein, sur notre secteur. Nous, on est plus proche de 800. Surtout, donc, une exploitation autonome, des coûts de production plus faibles, parce que c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Nos réussites, c'est nos couverts. On a beaucoup appris, notamment dans les dates de semis, dans les espèces. Donc là, vous pourrez voir, on vous l'expliquera. On mélange beaucoup d'espèces différentes, beaucoup de légumineuses, des crucifères, d'autres, phacélies, tournesols. Donc ça fonctionne. On a des sols qui se sont beaucoup améliorés. Ça, c'est quand même l'évolution la plus importante pour nous. La deuxième, c'est d'avoir changé notre rassemblement. Et le gros plaisir, quand même, c'est d'avoir fait cultiver des espèces que je connaissais pas quand je me suis installé. Je vous engage à venir nous voir. Merci à tous.